Voici Laura. Demain. Ça va la France? Ça va super. Aujourd'hui, une chronique spéciale parents, car c'est la rentrée des classes, ce qui veut dire que pour vous, les parents, c'est enfin les vacances. Enfin, votre enfant sera occupé pendant 7 heures minimum, loin de vous. Et avec un peu de chance, il sera matraqué de devoirs et devra s'enfermer dans sa chambre une heure en rentrant à la maison, vous laissant ainsi le temps de faire des trucs de dingue comme uriner. Oh, la dolce vita, tout seul aux toilettes sans urgence. Ça traîne un peu, ça regarde Insta. Si vous tirez la chasse et que vous fermez les yeux, vous pourriez presque vous croire à la mer. Sans les pleurs et les « on joue au ballon », soit mieux que quand vous y étiez vraiment. C'est terrible, quand t'es parent, tu ne rêves plus d'une Costa Croisière, mais juste d'un bain. Citation d'une anonyme à l'hygiène douteuse, connue sous le pseudonyme de « la mère de Mathéo ». Vous savez, à quoi je vois, là, je la vois, moi, cette délivrance de rentrée des classes. Eh ben, c'est que quand je vous raconte mes vacances en couple sans enfants à vous autres, là, qui vous êtes reproduits, eh ben, j'ai l'impression que vous matez un porno. C'est vrai, vous êtes là, oh, t'as fait des grasses maths, salope. Aucun parc d'attractions, oh, ferme la sale chienne. Vas-y, montre-moi tes photos bien cadrées. Ah oui, ah, bon, c'est hyper gênant, franchement. Donc, passons. Je sais que. Encore, on te confirme. Je sais que pour certaines personnes, c'est un drame de ne pas avoir eu d'enfant ou de ne pas réussir à en faire. Mais pour moi qui n'en ai pas par choix pour l'instant, je suis consciente de mon privilège, vraiment. Moi, je mange quand je veux et ce que je veux. Je n'ai pas à finir des yaourts dégueulasses à la cerise pour ne pas gâcher. Moi, je gâche mon temps, voilà. Je le dilapide de manière indécente, je glande, je flâne, je rêvasse. Je suis milliardaire en temps. Je suis le Bernard Arnault de l'horloge, d'accord ? Tout ce temps que j'ai pour moi, rien que pour moi, miam, 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 j'en veux encore plus, 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 et je vous le donnerai pas. Parfois même, je fais des siestes dans la journée, et même pas parce que je suis fatiguée, juste parce que je peux. Voilà. Et ça, quand je le dis devant des mères de famille nombreuses, elles pourraient m'étriper s'il leur restait encore un peu d'énergie. J'ai appris l'existence du burn-out parental. C'est quelque chose de réel. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement quand tu as envie de buter ton enfant et que quand il te dit « je t'aime », tu réponds « apprends à être autonome, déjà on verra plus tard pour l'amour ». Et imagine l'enfer que c'est. J'imagine l'enfer que c'est parce qu'il n'y a pas d'arrêt maladie pour ça. Tes parents, tu ne peux pas démissionner du jour au lendemain. Tu ne peux pas essayer de négocier une rupture conventionnelle, prendre une petite pause, puis te remettre à chercher un nouvel enfant moins fatigant au 4-5e si possible. Donc bon, bonne nouvelle, les Françaises et les Français, vous allez quitter le burn-out parental pour retrouver ce bon vieux burn-out professionnel. D'ailleurs, c'est un petit conseil qu'on peut donner à tous les gens qui ne se sentent pas toujours très bien dans leur travail. Plutôt que de tergiverser sur ce que vous pourrez être, sur ce que pourrait être votre vocation et vous mettre au yoga, faites des enfants. Voilà. Vous l'aimerez, votre métier. Qui l'eût cru que vous fassiez tout pour rester au boulot? À votre avis, Nagui, pourquoi il est animateur, producteur, présentateur? Bah, parce qu'il a 4 enfants. Et là, s'il est heureux, c'est un peu parce qu'il me retrouve et que je lui ai terriblement manqué, mais aussi parce que l'école a réouvert. Donc, bonne rentrée à toutes et à tous et bonnes vacances, merci, Nagui. Merci, tellement vrai. Dommage. Samedi 9 à Bonchamp, les Laval, le 22 septembre à Clermont-Ferrand et les mardis et mercredis à Paris au théâtre du Gymnase. Ah, oui.